Ils ont dit une grande joie peut résonner dans Rodrigue. Une grande action de grâce peut monter vers bon Dieu Papa, qui vient donner aux enfants Rodrigue un nouveau pasteur, Monseigneur Michel Moura. Je remercie les autres qui ont fait une invite moi pour associer à la joie et à l'action de grâce. Parce que ne pas oublier jamais qui est évêque de Rodrigue pendant 9 bonnes années. Et place Rodrigue dans mon équerre, il reste pareil. Les temps, ces 9 bonnes années-là, nous finissons de vivre plusieurs grands moments, spécialement un synode, quand la voix Rodrigue finit résonner et finit apporter une contribution qui tout le monde notait comme étant de valeur et pour l'avenir. En particulier, cette insistance sur la pastorale d'ensemble, marcher ensemble, et l'inculturation de la foi dans la réalité rodriguaise. Mais à la même époque, en 1997, je me rappelle, Ben Rodrigue aussi pas fin oublié ce qui le pape Saint Jean-Paul II t'a dit aux autres quand il vint Rodrigue en 1989. Fait que c'est ça tout à l'heure là. Il dit Rodrigue, déboute l'os au délipier. Et la vérité, moi je trouve Rodrigue déboute l'os au délipier. Quand cardinal Tomko t'a vint Rodrigue et mademoiselle Antoinette Prudence t'a fait un discours. Quand au nom de toute l'Église de Rodrigue, les demandes cardinal Tomko, dire le pape, nous sommes contents qu'il y ait un statut, que nous personnalités d'Église particulière, capables de reconnaître, et que nous capables d'apporter nos contributions dans le concert de l'Église universelle. Et je me rappelle que 5 ans après, ici même, l'opéron sa cathédrale là, Montan, le nonce apostolique, déclarait que le vicariat apostolique de Rodrigue finit de mettre des bouts. Et en même temps, même jour, Mgr Harel s'est ordonné premier évêque, premier vicaire apostolique de Rodrigue. Depuis ça, à l'époque-là, Rodrigue vient de faire un joli trajet, un joli chemin. Et les fins prennent sur la place dans la conférence épiscopale des îles de l'océan Indien, et je finis apporte une grande contribution. Et voilà qu'aujourd'hui, je traverse une nouvelle étape dans la vie de notre Église avec l'ordination de Mgr Michel Moura. Votre évêque, c'est le pape François qui l'a nommé, mais c'est bon Dieu qui finit donner. Dans ce grand tendresse pour ce bon enfant Rodrigue, rendez grâce au Seigneur pour notre nouveau évêque. Pareil comment Mgr Moura, viens rendre grâce au Seigneur pour l'Église de Rodrigue qui bon Dieu fin confier lui. En passant, je suis content de dire merci aussi à Père Jean-Maurice Labour et Père Luc-René Young, qui, l'un après l'autre, ont accompagné l'Église pendant sa transition, cette longue attente, pas toujours facile à vivre. Enfin, aujourd'hui, dans l'Évangile, présente-nous Joseph, comment dire, il est dans un bouleversement. Il finit d'apprendre que Marie, la Vierge Marie, son fiancée, puis tombe enceinte avant qu'ils ne commencent à rester ensemble. Et comme le tien du monde discret, un bon du monde, il décide de renvoyer en secret. Ça veut dire pas faire aucun scandale. Et voilà que l'ange du Seigneur demande au contraire de prendre Marie, son épouse, dans sa case. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et Joseph
comme un homme juste qu'il y était, l'y accepter, casse ce programme, change ce plan et faire confiance au Seigneur. C'est grâce à l'obéissance de Joseph, sur l'humilité, ce sens du service humble que la Vierge Marie fit récit mettre au monde, nourrir, grandir Jésus qui te pouvine le sauveur de l'humanité. Aujourd'hui, comme Joseph, toi aussi, Michel, ne crains pas de prendre la charge de l'Église qui est à Rodrigue. C'est le Seigneur qui te la confie. Capable que toi aussi te tiennes à te mettre plein dans paroisse Bel-Air à côté de Tieté dans Maurice. Et le Seigneur te demande aujourd'hui, casse ton programme. Abandonne ton bon plan. Comme Joseph, l'homme juste, fais confiance au Seigneur, car l'Esprit Saint qui a fait naître Jésus dans le sein de Marie, c'est le même Esprit Saint qui a fait naître l'Église à Rodrigue. C'est l'Esprit Saint qui donne au peuple de Rodrigue de croire en Jésus, de mettre sa foi, sa confiance en lui, de témoigner de l'Évangile dans la société rodriguaise. Alors, apprends à la connaître, cette Église, à l'aimer telle qu'elle est, dans toute son originalité, avec ses préoccupations et ses espoirs, ses joies et ses souffrances, ses fragilités et son élan missionnaire. Sois patient avec ses défauts et tu découvriras, cachés derrière ses faiblesses, des trésors d'une humanité généreuse et d'une foi profonde. Fais confiance à l'Esprit qui habite le peuple rodriguais et écoute avec les rodriguais ce que l'Esprit dit à l'Église de Rodrigue. Marche avec elle. À certains moments, tu peux bien marcher au milieu du troupeau pour être capable d'écouter le peuple et participe à sa vie. Dans les autres moments, tu peux bien marcher derrière le troupeau pour soutenir ceux qui sont plus faibles et veiller que personne ne paraisse dans le bon chemin. À d'autres moments encore, tu peux bien marcher devant pour indiquer la direction. Et tenir le cap et donne courage à ceux qui peut hésiter. Tout ça qui me peut dire, ce n'est pas seulement une technique de management, ça. Parce que quand on est un pasteur, un évêque, ce n'est pas un métier, ça. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour qui finit de commencer jour que Jésus te dit avec toi, pareil comme on te dit avec Saint-Pierre, « Michel, m'aimes-tu ?» Et quand tu finis de répondre « Oui, Seigneur », Jésus finit d'ajouter « Prends soin, mon bon brebis. » Le peuple de Rodrigue, ce sont les brebis de Jésus, celles que Jésus te confie aujourd'hui. Pour elles, pour le peuple de Rodrigue, Jésus a donné sa vie et il t'invite à partager sa passion pour ses brebis et donner ta vie toi aussi pour que les brebis aient la vie à leur tour. Comme Jésus, accompagne-les avec patience. Mets ton tablier et lave-leur les pieds. Nourris-les de la parole de Dieu et de l'Eucharistie. Soutiens Banla quand vous êtes trébuché. Soigne les autres quand vous êtes blessé. Alrode quand vous êtes fin perdu dans le bois. Relève les autres quand vous n'êtes plus capable. Ranime en elle la flamme de l'espérance. Mais écoute-les aussi. Tu en as beaucoup de choses pour dire à toi. Beaucoup de sagesse à partager. Être pasteur, vraiment, c'est une histoire d'amour, d'être aimé les brebis comme Jésus les a aimés. Chers frères et sœurs de Rodrigue, vous qui êtes le peuple de Dieu à Rodrigue,
Vous accueillez aujourd'hui votre nouvel évêque dans la joie, accueillez-le aussi dans la confiance. Vous, les prêtres du vicariat, vous êtes les premiers collaborateurs de votre nouvel évêque. Votre lien avec lui dans le sacerdoce est un lien fort et profond. Et ce lien sera fécond, portera beaucoup de fruits quand vous adopterez avec lui cette manière d'être serviteur et de prendre soin des brebis dont Jésus vous a donné la charge. Autant votre évêque est appelé à être pour vous un père qui prend soin de vous, autant vous, les prêtres de Rodrigue, êtes appelés à être pour votre évêque des fils, de loyaux collaborateurs dans une obéissance responsable. Vous tous, laïcs, religieuses, prêtres, le grand appel que je sens que l'Esprit vous fait à vous, mais aussi à tous les diocèses du monde aujourd'hui, au moment où vous accueillez votre nouvel évêque, c'est cet appel qui est fait à l'ensemble de l'Église à travers le pape François. C'est un appel à vivre et à agir dans l'Église de manière synodale. Monsieur de Consamola, synode, comme on le connaît, ça veut dire marcher ensemble. Ainsi, vivre d'une manière synodale, ça veut dire travailler ensemble, réfléchir avec les autres, s'écouter beaucoup entre prêtres, religieuses, laïcs, évêques, discerner ensemble, veiller à ce que chacun apporte sa contribution. Vous avez déjà à Rodrigue une tradition synodale. Depuis la construction de cette cathédrale, où tous les Rodriguais ont apporté leur contribution, qui s'est acquis, qui amène une roche, un bloc corail, un sac de sable, un madrier. Et jusqu'à la préparation de cette ordination épiscopale de Mgr Mourat, où l'Église à Rodrigue fait une ruche d'abeilles, quand chaque abeille apporte sa contribution, en dansant dans la joie. Profitez de l'arrivée de votre nouvel évêque pour adopter résolument ce style et cette spiritualité synodale. Saisissez l'occasion pour approfondir les convictions de foi qui inspirent et soutiennent cette manière de marcher ensemble, de travailler ensemble. Exercez-vous à cette écoute les uns des autres. Accueillez avec confiance ce que l'Esprit dit à l'Église qui est à Rodrigue. Nous pouvons nous demander, est-ce que nous croyons vraiment que l'Esprit-Saint a été donné à chaque baptisé, que c'est l'Esprit du Seigneur qui conduit l'Église et que notre responsabilité à nous, c'est de nous laisser conduire par l'Esprit? Est-ce qu'il nous reconnaît vraiment que chaque baptisé est né une contribution pour apporter dans la vie de l'Église et dans sa mission? Est-ce qu'il nous cherche vraiment à donner à chacun sa place, sa parole dans le corps du Christ? C'est déjà né aussi à Rodrigue, une jolie tradition de travailler ensemble pour témoigner de l'Évangile dans la société rodriguaise. Déjà, des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants se mettent ensemble pour chercher chacun à sa manière comment chacun est capable d'être dans Rodrigue, celle de la terre et lumière du monde, comment je veux dire. Ainsi, depuis plusieurs années, s'est déployée une belle créativité et une grande vitalité fraternelle qui sont les signes de la joie de l'Évangile. Le chemin de la mission est un chemin montant. Chacun a besoin de l'encouragement des autres pour continuer à marcher. Votre nouvel évêque n'est pas un surhomme. Il ne peut pas faire des miracles. Il vit simplement comme un pasteur qui rejoint son troupeau là quand il finit d'arriver. Il a besoin de vous, comme vous avez besoin de lui. Prends patience avec lui.
Pareil que moi-même, il faut bien prendre patience avec vous autres. Nous tous pécheurs, et quand nous marchons ensemble dans un sentier, arrivez qui nous crase les pieds, nos camarades, de temps en temps. La patience, pas veut dire accepter à cause qu'il y a à faire, pèse-néné, boire de l'huile. Non, pas ça la patience. La patience est une vertu dynamique qui se nourrit d'humilité, de douceur, de bon sens et de beaucoup d'amour. Elle nous apprend à ne pas prendre nous trop au sérieux et à nous accepter les uns les autres avec nos limites et à continuer le chemin avec ceux et celles que le Seigneur nous a donnés et rallumer sans cesse la flamme de l'espérance. C'était un joli chemin pour faire dans Rodrigue. J'ai confiance que cette nouvelle étape qui s'ouvre devant vous aujourd'hui sera aussi belle et portera autant de fruits que toutes les étapes précédentes qu'on nous a présentées au début de la célébration. Les étapes de tout le chemin que le peuple Rodrigue a fait à la suite du Christ, depuis ses débuts de son histoire avec le père François Thévaux et les laïcs qu'il a laissés derrière lui qui ont travaillé, avec le père Gandhi et tant d'autres, et plus récemment, avec de grandes figures d'apôtres comme Mademoiselle Antoinette Prudence, sœur Désirée, fille de Marie, Ignace Périne et beaucoup d'autres encore. Soyez confiants, vous n'êtes pas seuls. Toutes ces personnes qui ont passé avant vous, vous êtes priés pour eux, vous êtes veillés pour eux. N'ayez pas peur, le Seigneur est avec vous, c'est lui qui vous conduit.